Yes, question regarding the economic model, including the extension of the copyleft elements. What in French we are most of all the time talking about contamination. And this is really, I believe, a very bad way to represent things. It's Yeah. just extending a contract. A licensing Just a contract, contract. but I agree. talking about contamination and the kind of extension that feel creepy, you know, it's, No, not you've at been all. injected somehow. That's Yes. when people ask me, I say it's just a contract. So you need to read the contract. Yes, absolutely. Yeah. If you like it, then great. If you don't like it, Move on. move on. Yeah, exactly. And then we've got the question regarding the habilitation, auditability, security, but much more on the technical side. And that's one of the topics we'll see about during the panel, including someone from Genoa. Then absolutely the risk revolving around the security, everything about Hubbleed, you're talking about that. But also what we feel about what could be done proactively in order to be more agile, yes, more secure, but also more agile towards our customers. That's also a topic I would like somehow to discuss about. What are the responsibilities? Because you know, Hotbleed, I've been injected by someone, to my knowledge, on the 31 of December at about 7 p.m. He was eager to go to the party, and then he just committed some code. He did not check everything, and what could be his own responsibility? It's pretty hard to blame him somehow, but I believe that some companies using open source are requiring to question themselves about this kind of stuff. And then what would be the solution? Consulting processes, technology, formations, awareness, best practices, etc. So we are starting with Marek, talking about FOSSA, which is a project created by the European Commission. Maybe you can start by introducing yourself, Marek. Yes, my name is Marek Szymczewski. I am project manager of this project and other projects. I'm working in the European Commission since 2 years in Digit and 9 years in the European Commission in total. We received this project recently, and we are just now starting the execution of the actual actions related to it. So I think we can start. So my presentation also starts with a slide about the Heartbleed that was discovered around the 1st of April of 2014. And yeah, I can start, or yes? Okay. So as I said, it's been found in April, and it caught attention of many people, including some members of the European Parliament. They tried to find a way to have funding from the public money, the Euro at the level of the European level, to test the security of commonly used applications. There is I'm already at the slide number 3. With the big picture of the European Parliament. There is another initiative that you probably know it as Linux Foundation's Core Infrastructure Initiative. They are doing it, they are doing a similar thing, but their funding is I think much bigger, and the purpose is slightly different. So going to this initiative done by the European Parliament, it was proposed to the numbers, slide number 4, with the nice pictures of the two maps. That was proposed by Max Anderson from the Greens and Gyula Erda from the European Pirate Party, the only one in the European Parliament from the Pirate Party that made it. So they would like to prove that the EU can spend the public money on common goals. So already you have the EU supporting common infrastructure like the roads, the trains, and other things. They would like to prove that the EU can also support the IT
pillars of the modern economy. That's why they are starting this pilot project, which has been approved on the 22nd of October last year. We received it in January, and yeah, we are following it. The execution of this project has been entrusted to Digit, the Digi Informatics in the European Commission, and the goals are to see if this is the good place to see if if the European Commission is a good place to do such testing of commonly used building blocks of the IT building blocks to see if this will work. The parallel goal is that we will be concentrating on testing applications which are used or libraries that are used internally in the European institutions. Another goal is to also reinforce the security of open source software used in the European institutions, but at the same time we want to be able to say that we are contributing into widely used building blocks of open source building blocks that are used widely by the general public. This is a pilot project, so we are just preparing the ground for this and we are going to do one code review at the end of the project to prove that the methodology chosen and everything works as it should. We have internally in Digit open source software strategy that this project is perfectly aligned with this, and you may want to check the open source strategy is not subject of this presentation. You may want to search it on Google and see what we have changed somewhere late last year. So I'm going to slide number 5 with a nice cat-like animal. We had to find an acronym for this project, so we found that the FOSSA is actually an animal and it fits perfectly the acronym of the project. Otherwise, yeah, it's difficult to identify it. It's pilot project number 645 before. Now we call it like this. We call it FOSSA internally. So we started with preparation of. We are following methodology for projects which is used for all the bigger projects in the European Commission, which is called EFWARE. And for this, we have already prepared the business case and the project charter for this project. And in the project charter, we have defined the scope. You can see it in slide number 6. It's the scope statement as it is in the project charter. You can read it from the screen. I can just talk about it that the core of the project is code review. But we cannot just do it like this. We have to arrive at this stage. We have to do. We have to and to be able to do more code reviews in the future. We have to do major preparation for this because the European Commission never did such a project before. Also, this project is spanning several European institutions: the European Commission, European Parliament, European Council is not in the scope of the pilot, but it will be in case this project is continued. So to do it properly, we have to do proper preparation of this. The following slide is the budget. The budget allocated by the European Parliament for this is 1 million euro. And the foreseen duration of this project, which is the following slide, is 1 year. Now, the following slide is the timeline. We have started with a business case that was after we received the proposal from the Parliament in January.
we had the business case written properly written on the 30th of March, already following some discussions with people interested in the project. And we arrived at the project charter, which has been done in August. And since then, we are launching the following work packages. Philippe Arnaud, I think you can show the entire slide, otherwise it will be difficult to talk about it. So we have work package one, which is a comparative study. We have to see how do the open source communities work compared to how we work internally in the European Commission. We have communities working in the European Commission in a similar way, and we would like to integrate them with the open source communities so that we can have the best results. We have also another work package too. After that is a feasibility study defining how exactly we will do the reviews, what will be the criteria for choosing the targets for code reviews, how we are going to work on it. If you have more questions about every work package, I have all the details in front of me. I just wanted to not make you completely bored, so I will quickly go through this. Then we have a lot of software, open source software, and not only that we are using here. So we need to have a proper, that was also requested by the European Parliament, so that the European institutions have a complete inventory of what software we are actually using, and also what standards we are using here. So for this we have another three work packages, three, four, and five. And then we have the work package six, which is the core actually of this project, which is the sample code review for a selected library or software that will be selected based on the results of the previous work packages to complete the overall picture. We have work package seven, which is a work package about the governance and quality of all the deliverables, and also about communication, which so far has been lacking because I'm the only one working on it. We have a lot of work to review all the proposals that we have received for all the work packages. To implement this project, we are using the existing framework contracts that are already active in the European Commission. This is the fastest way to go with this project. We will see if for the pilot project it will certainly work well. For the ongoing, if it becomes a continuous program of the European institutions, we might need to review it. It depends. It depends on the results of this one as well, and the lessons learned exercise that will be done at the end of this pilot project. So I have a question for you. Yes, please go ahead. When you have a program like this one, and you have these things called work packages, do you put those out for with private companies or with individuals to perform these work packages? And you could have different groups working on different work packages in order to complete the whole project. Is that how it works, or is there some other way? There is a procedure in the European institutions for doing what we call fixed price contracts. We have a list of companies that we are asking in a given order to provide us proposals on how they would do the project, and that was our work during the last month to assess proposals. We are just now starting the work package one and two. I can tell you the name of the company because it will be anyway public soon when the more communication about the project will be done. This is PwC Everest that will be doing the work package one and two. This is KPMG and Trust is doing the work package seven. Also, PwC Ever is doing work package 6, and the work packages 3 to 5, we are still analyzing the offer that we received, whether it is
sufficiently good for this project to succeed. That is how we are working in the European Commission. That's the fastest and the I would say the only way to do it using the formal public procurement procedures that we have in place. Okay, thank you. Okay, so about the timing, we have signed the contracts with the companies that I have mentioned already. They are starting to work as of beginning of December. The project should normally be completed in 1 year, as foreseen, so in quarter four 2016. We will have two major checkpoints in March and in July 2016. Well, plus minus some weeks, but normally this is how it is in the very precise planning that we received from the companies. Mike, there is a question. Yes. Yeah. You're talking about the project. Maybe I missed something. But what kind of project is it at the beginning? I missed something on the other side, I'm sure, for sure. But I don't really understand what kind of project you're working on to analyze open source in this project. The deliverable. I cannot hear you very well. If you, what are the deliverables of the project? Is it software? Is it some technology? Are these processes, assets, documentation? Yes. Okay. So we have for the first two work packages several documents that will be. Basis for following the project properly. Wait, I think I lost you. Or No, you're there. Because I see the video is frozen now for me. We can hear you and see you correctly, no problem. Okay, it's good. There are two studies that will be as the main deliverables of the work packages 1 and 2, the feasibility and comparative study. The inventory in case of the work packages 3 to 5, and the thing that is probably the most interesting is the code review that will be done in the work package 6. The complete list of deliverables I can provide it to you if you are interested. It is not a secret. Anyway, as I said. We are also starting the contract for the governance, quality, and communication, which is the work package 7. And with this, we will have more information published around the project. Another thing that is important to mention is that, especially in work package 6, but to a lesser extent also in the other work packages, we have made it obligatory to involve the open source communities in the process of preparing these work packages, so that the companies have to make it public in a way that the open source communities can be involved in this project, which is basically about this. So, can you still hear me? Because I lost the video completely. Yes, absolutely. We can hear you. We can see you. It seems. I'll try to relaunch the video from our side, but I believe that many people have woken up and are starting to use the Wi-Fi. Yeah, more people are coming to downloading. Okay, so do we have more questions regarding the slide? Did it answer your question? Not really. Okay. No, I can. I have the documentation yet. This is a pilot project. We have to define a way to do properly the such a project in case it would become a permanent action inside the European institutions. That's part one. And to prove that it works, we are doing one code review at the end of this pilot project to have a proof that what we have defined actually works. Okay.
that's basically the goal. Okay. Each work package is describing processes. How are you going to do this? Yes. Do this? Okay. Yeah. So the following slide, in case no more questions about this one. Okay, so this is the budget distribution. We want to put as much effort as possible to the code review itself. This will be €300,000 is foreseen for that purpose. The rest is the proper definition of the process to do it, in case, and we hope that this will be the case, that this will become something that we will do regularly from after this project is completed. As a regular action afterwards, contributing to the open source communities on a scale that the European institutions never did probably before. So, the next slide. If you have any suggestions, any comments, your input is always welcome. And please write to us if you have any ideas that can make it better, especially after some initial. More information is published regarding this project. Is there any open community in where we can involve ourselves? We will start it. Well, as I said, we have just that was just last week that we have signed the contracts with the companies, and we will start working on this with them to have. And public discussion around this project possible, and I cannot give you the details now. For the time being, I can only give you the mailbox that is on the screen on slide number 12. You can use it for the time being. Later, it should be you should be able to find the project using Google, I guess. From January onwards and so on. Okay. So, do you have any questions? No questions so far? One question. Yes. Is there a place to find the details of each WP, each work project, as they're defined before they, completed, but sort of the expectations for each one of those? It will be... all of this will be published as we are starting. As I said, we are starting working with the company doing the work package 7, which is where one of the main tasks is the external communication, and this will be part of this. It will be available for everybody to see. It's not certainly not a secret. Could you show the URL again? It's an email address where you can send your questions if you have. And at this moment, I cannot give you a URL to visit where, because there is no project website for the time being. We are just starting the execution of this project now. Can you talk a little bit about one of them? Maybe, I don't know, the code review sounds interesting. Okay. So, we have three tasks in the code review to do. The code review itself, the evaluation of the results, and a report of the company that was doing it. How do they see doing this code reviews in the Commission, in the European institutions in general? How do they see it working? So a report that would be used to produce lessons learned at the end of the project, and the feedback for doing following any next code reviews later on. The next code reviews, whenever they will be done, they will not have to redefine all this. This will be already. We assume this will be based on the. On the framework that is defined in this project. So, what are the deliverables you're asking in this project? So, the code review itself, summary of the evaluation of the results, the reflection on the experience, how did it work,
and dissemination materials for this. These are the deliverables that we request from the company. Which product will be used for which project, software, open source software or library will be used for this code review? We don't know at this point, and this is something that we want to have selected based on clear criteria, not upfront deciding what it could be. Great, thank you. Does it answer your question? Yes, thank you. I have one last question. Probably, what are the tooling used in order to empower the collaboration between the multiple actors that are working on the project? We are waiting for the company. The companies have promised to set up a collaboration space. What exactly it will be, we will see when they start implementing it. Okay, great. I don't know if anyone has more questions. Everything's clear. Thank you, Marek. It was a little bit tricky to set up the connection, but seems to have been working until the end. Yeah, worked very well. Thank you. Sorry for not being there. I was in Paris yesterday, but in the end, following the security advices, if I could do it online, they said, okay, do it online better than staying in Paris. Okay, that's what I did. Okay. Thank you. Thanks. Thank you, Marek. Thank you. Goodbye. I can keep. I'm interested in the other presentations today, so if I can keep being connected, would be great. Homework person. The only thing I need to do is to get you just in order for you to at least see the slides. It would be much more. Put them here. Yes. That might be a bit tricky. I'm not sure. We'll see. Okay. Here we are. Let's shut this down. Up. Not even PC, it's just a little cell phone. Yeah. Okay, next. Moving on. Thank do you very have much. Possibly a break? Or should we? Okay. We should go on. We've got a new person joining. Yes. What do you want to know? Can you just introduce yourself, maybe? Since we are a very little group of person, we may know each other. Well, my English is not so fluent as I want, but I will try. I continue in French or in English? I believe in English it would be better. Okay. My name is Mr. Luc. I was responsible because now I was not working. Yeah. I'm thinking about changing myself, okay. Radiation, my kind of job. Okay. I was responsible of PME, okay. Society, on systems, on networks. Okay, great. Perfect. Now I'm looking for work. Opportunity. Opportunity of doing more open sources. Okay. Great. Perfect. And maybe you can also introduce yourself in one phrase. What are you looking forward into this track? I want to know some images of the future to know why, because when I began my studies, I learned about Unix, okay. It was SCU. Okay. But during my work, Linux was not used as I thought. Okay. And now I wanted to know if Linux will continue to grow up. Or is it to be will stall or anything? A market niche. Okay. Yes, a pocket market. Pocket market. Yes, a pocket market. Okay. Because what I think is that more people want to be protected and have their data for themselves. Their data protected. Okay. We'll see. We'll see. That's probably a topic we will address. Or Microsoft, Google was the one, okay. Or the two. There are no other way. Okay, that makes sense.
Okay, so we've got the chance to get Mark Oliver, who is the CEO of Pandamida. Maybe you can introduce yourself. Well, more we know each other. You four of us are you. Yeah. Sorry to be late. Yeah. So, just very quickly, Pandamida is a US company that does scanning of code. Scanning of software. Maybe you step in. No, it's okay. Yes, sir. And we have done this for 10 years. So one of the biggest events, as Mike said recently, was the security vulnerability awareness. And so today we'll use that as the start of our topic. Heartbleed. Yeah. So we talked about Heartbleed. So the topic of our discussion is managing open source now after Heartbleed. So the question is, what's changed? What's different? So if you could, just two short slides. One, we have done this for 10 years, so we see hundreds of software projects every year because we are contracted to scan them, to analyze them. So we do this hundreds of times per year. And this is a chart that goes for some years and shows the average number of open source packages we see in those projects that we analyze. And the number of those packages that are disclosed to us before we do the analysis. And 2015 was quite an unexpected year because you could see that jump up and disclosures down. So why do you think that the number went up this year? I would say some effects regarding the cloud, the Android, the awareness of the Google politics around the governance around Android. This kind of interest, because the risk. Well, good guess. But the real reason is because more people are integrating the development environment. They're using repositories on the web. And the build systems, the tools, are automatically reaching out and pulling in all the dependencies for the software. So it's like you have an automated robot helper who is downloading things from the internet for you, even if you don't need them. It's bringing them in, putting them in your software product. Most probably DevOps can be one of the origin of the everything's automated. It could be one of the side effects of yeah. DevOps. Mm-hmm. Yeah, that's right. It's a side effect of increasing DevOps. Automation. That's right. And so when in our company, we tell our developers, you must go through a build system and delete all the packages we don't need, so that we don't ship them. You know, it's a best practice yes, for us, totally. Right? But many people just, they go, okay. And so the amount of open source included in projects today is much greater than before. Okay, so that's one of the changes, is much more open source packages in software development projects, even than the last couple of years for this reason. And do you have any insight about why the curve is on the reclining side regarding the declared technology, the disclosed technology? Yeah, we do. And the reason there is because projects are bigger, mm-hmm. and people are disclosing only top-level projects, yeah. right? Because they don't analyze the full project. They only look at top level. So we are using Hibernate. We are using Struts. We are using Linux.
And in fact, when you use Hibernate, there are many, many other projects, but those are not disclosed. So it's actually working the other way. So backwards. Yeah, we're working a little bit backwards. So there is a large gap, increasing gap, between what's actually used and what is disclosed, which seems surprising after all these years. But a few people in the room would agree, I think, but the possible lack of real interest regarding this kind of risks and involvement regarding the whole governance and management of open source technology into the software code might be one of the reasons. Well, a lack of understanding. I would say that the attention to the topic, even though our room is empty today, the attention to the topic continues to go up. So, for example, in our company, just this week, we are working with new customers, a large insurance company, and a large tractor, like farm equipment company. So green and yellow. Green. So it's even these companies now recognize that they are basically software companies. And so, no, the level of interest over this long time that we have done this continues to go up. So that's one of the changes that we see is much more use of open source. Okay. Yes, the rate of interest is not as steep as the. That's kind of an artificial yes. technology factor, yes. but the rate of interest continues to go up. Okay. Yeah. Okay. And then we talked about this. And then don't mind me. You know, what we didn't talk about is what does Heartbleed actually do? Right? And why was it probably the most serious vulnerability in the internet age of the last 10 years? And the answer is because you could basically ask this component, this OpenSSL component, to say, please send me back a short message, and you could define a long string. And this problem says that it would go out and read memory from outside of the normal bounds of the application. And what would happen is it would read the private key of the server and send it back to you. So essentially, at that point, you had the private key, you had the session passwords, you had session cookies, all returned to you from this project. So it was a serious, serious problem. And the interesting thing, it was only those versions, 101 through 101F. Before that, no problem. After that, no problem. But that's the problem. And so the real question that people have is, how do I know if I have this problem? And at this time, when we were when this was announced, we were doing a project to scan all of the code of all the cell phones of Nokia, which is a big project. And this story came out, people said, please tell me that Microsoft was purchasing the Nokia at this time. And they said, we need to know exactly where we use this OpenSSL, these versions, inside of all the Nokia cell phones. Well, 2 hours later, we have this list of many, many, many locations. And it's almost impossible to produce that list in any other way. You know, you can't go back to each individual team, you can't ask the build systems, you can't do all these things. But if you are analyzing code, much like the previous presentation, then you can answer this question. So this was a very good example of why people are concerned about this problem is we need to know where we use these packages throughout our product line. So
it's most important during the due diligence, for example. When you are acquiring a company, it's really important to know what are the real assets you are buying. Certainly important there. Absolutely, yes. This is, absolutely. And during the merge between the care and yeah. But also part of the due diligence process. Yes. Yeah. Completely part of that. But also, if you are in a just a normal condition, not due diligence, mm-hmm. and something like this comes up, you'd like to say, do we have this problem in our code someplace? Not M&A, just normal code. And so it's both. It's due diligence for sure. But also many people say we need to know, need to be able to ask this question about our current product. Yes. So that's that. So with that, that's my only slides. Now we can just discuss a little bit what people are doing. And you know, Sophie is from Gemalto, John Claus is from Airbus, and we have good experience with their organizations as well as with ours and maybe with yours about what are some of the best practices that people are doing to to scan their code, to build this knowledge of where components are and so forth. So I guess maybe John or Sophie would like to just comment briefly on the type of process that their companies use to get this discussion started. So Sophie, would you like to just make a very quick comment about that? So hello everyone. So I'm Sophie Lang. I'm an in-house legal counsel in the IP department of Gemalto. So I'm not responsible for the deployment or the use of Palamida, but I'm more responsible for the policy side and the review of the different and validation of the different OSS licenses. So basically at Gemalto we have what I would call a dual process. So we have a declarative process, so we ask our developers to declare every component, OSS component that they intend to use, which is then reviewed and validated by the IP department. And we have a second review, which is basically complementary, which is the scan with the Palamida tool to verify that everything has been declared. And so for every project and every product, we are able to have the lists of all the components that are used in our products. And so you, through this, I would say, dual processes, mm-hmm. What is the objective? Because if your engineers would be really, I would say, non-questionable, they would declare everything mm-hmm. clearly, properly, etc. There would be no need for Palamida tooling. Mm-hmm. And then on the other side, why are you making them declare packages? Since you at the end you will scan everything with Palamida. Mm-hmm. Basically, the reason is that we want to start with the review. How can I say in advance? So basically, we are doing this step by step. So the declarative process is there to follow the projects and the development from the beginning. And then, of course, because it's a declarative process, there might be some components that are missing. This can be voluntary, but also involuntary, because sometimes there can be a component and there can be, subcomponents included. So this is why we also need a tool like Palamida to do this double check. And if we basically, if we use it at the end of the process and we discover that there might be an
issue. To avoid this, we try to start earlier with this declarative process, which can already be a good way to analyze before. The cost to fix things is way is less at the beginning of the process, of the integration process. It's better to anticipate. Yes. Mm-hmm. Not to wait for the end of the project and say, let's scan it, and then find something wrong, so just before I can deliver it in time. That's also a question you got in your office. Maybe I can introduce myself quickly. Please. So I'm Jean-Pierre from, on behalf of Airbus Group. I'm working for Simpan, a company, but I'm a consultant for Airbus Group. My mission is to deploy process around open source and deploy the tool, which is Parameda. We chose it 2 years ago, if I remember well. We have a benchmark, and then we selected the two best ones on the market, and at the end, we chose Parameda because of many reasons. Part of them is proximity to people from Parameda and activity. But no, thing is, I'm responsible of Parameda deployment and open source deployment around the group. So the group is composed by Airbus Helicopter, which is producing helicopter, Airbus Civil Aircraft, which is producing civil aircraft, and Airbus Defence and Space, which is the most unknown division and the most concerned by open source. They discovered many years ago that they had to be aware around open source and to control what they are delivering to customers. And so that's why they have different processes in different divisions. They are not at the same level. But if I can take the example of Defence and Space, they used to work as they are working at Gemalto. They really early control what's in the project they want to deliver to the customer. What is very important at the beginning is to include the open source support. They call it an open source support, which is a team composed by 3, 4, 5 people. And their own mission is to be sure that the project delivers compliant open source. This is really important. So at the beginning, just a list. And then after that, with the support of the legal service, they are sure that they are delivering something compliant open source, and if they anticipate, they can be on time at the end for the client, the customers. This is really important for Airbus, and the idea is to move this process into our entire group and entire divisions. Well, one question that I have is sometimes it seems that the compliance processes are really enforced by guys that are completely not empowered into the companies. Some of our own customers got some policies, but no one is reading them, no one is following them. And it seems that there is a real lack, there is an opportunity at least for companies like Parameda, but also for all the technology and processes and governance processes to be enforced, but directly into the integration loop. So I would think about being able to integrate scanning the software scanning at the time you are pushing your code into the repository, and just like you are integrating source code and integrating everything all together using Jenkins, you would be able to merge that with source code scanning. That's a good remark. Before thinking about scanning, what's in my code, what's really important is to aware all the people concerned. And at Airbus, people understood that, and they are working with technology management in each divisions and in Airbus Group too. And they are, how can I say it? They are pressing them to lead, a big campaign of awareness, training awareness around open source. So software developers, project manager and management also is really aware about open source, about obligations and risks around it. Because we have to keep in mind that customers are more aware about open source, and they are really requesting that
there is have to be a web too. So to answer your question, Airbus Group understood soon that we have to find a tool to describe process, policies, you know, global things. But what is really important is to train people and making awareness all to all the people concerned by the database, from the procurement to the software developer, all the people concerned. That's interesting. I think that it's exactly what HP have done in the past. They were confronted to exactly the same question. They tried to develop some software internally that was a little bit running query. It was not really easy to use. And I think I from what I understood is that they decided to spread awareness into whole HP and to make people be sure to understand what are the business models implied by using open source technologies. What are the business models that are possible using different licenses, because you are clearly not doing the same you're not having the same business model using an Apache license or a GPL license or a copyleft license, and even more importantly an Afero GPL license, which is again a mystery for many of our customers. And I believe that this is the most important point, being able to enforce the awareness at first, and then to be sure that everybody has understood everything, to be able to plug directly during the building process the scanning software technology. One question though is, how could company like Gemalto or Airbus be sure to prevent their own service providers, I would say like Atos or any other one, on the base? How would you prevent the shipping of source code that is embedding software that is delivered under an open source license that is not compliant with your internal best practices and your own business model, because it implies on the two sides? That's a good question. Because confidence is not enough. You cannot say, okay, you will owe me 1 million euros if you are shipping me with a bad code. It's not enough. What your subcontractors are developing is your responsibility too, as the requester of the development. And what I would say is, it could be part of the proposal, you know, just requirement of the proposal. You have to be compliant to open source, don't use kind of license, or we are using kind of license, so you have to. And giving the list back of open source, and we can also request, if it's really secure or unsafe code that could be delivered, we can require the scan the code too. Just we are responsible of it, so we can scan it. This is our property. So a couple of comments to this one. You're exactly, we see this all the time. Please declare, give us a disclosure list before you deliver your software to us. Well, there's one line. I believe. Yeah. So that's number one. And then number two is, if you are then using that in your product, our customers scan everything that comes in from subcontractors. They say, yeah, thank you for your disclosure list. Now we're going to. Let's control it. Yeah, let's control it. So they scan that. So. And back to your point about HP, they do a very good job of training their people. But just 2 months ago, they rolled out our product across all of that company. Oh, really? Yeah, to automate what before was mostly a manual process. Because they created something called Fossology, right, which is itself an open source. Yeah, it was a very nice tool for you know, looking at licensing. CGI, yes. Yeah, but what they said is, we are going to start with the upfront process of making requests, of disclose, asking developers to disclose. And so they used first the part of our product that is workflow to say, I'd like to make a request. So
So that is now across all of HP, both companies, since it's now two companies. And once they have the disclosures, then they can implement the scanning, as you suggest, close to the build system. So that's a very typical approach now. Same thing with Microsoft. Microsoft uses our product across all of that company. And they started with the requesting workflow. And now are beginning to move into scanning in the build systems. And their request is it has to be very fast, as you suggested. Okay. Thanks for these insights. I don't know if there is any other question in the room, or should we move on? Okay. Sure. I guess we just had our panel discussion, John. Sophie. Great. Yeah. Thank you, Mark. Yes, it is nice to see. And Philippe, could you just quickly give us a little of I know you work for Atos. Yes. Which is a large consulting company, right? Yes, consulting and it's a service provider. Yeah. IT service provider. Could you just give us a little view of what you see in this, regarding this the question about shipping software that is embedding open source technology? I would say that in France, at least, we've got two very disparate populations. They are very, very, very clearly identified. The ones who are really aware of that and they are very careful of that, I think Gemalto, Airbus, the National Space Agency, this kind of people are really, really careful about what they are doing. Yeah. And on the other end of the spectrum, you've got many companies that are just baiting. They take the bait. Yeah. Okay. There might be some open source technology into the code I'm shipping my own customers, but first of all, who cares? Because that's one of the questions. They are able. They decide just to take the bet because they feel that since they haven't been any real major problem regarding compliance with open source licensing. So far, they are deciding that the prices involving at first the integration, the formation, the best practices, the price to get this in place is way higher than the price that is necessary to pay their own customers if somehow they get caught. And so they are ready to take the risk. You know, it's dangerous because customers are more aware and more aware about open source. Yes, because of the cloud, because of everything around open source, but in the real life. Yes. So it start to be dangerous. Yes, you take might the risk. Lose a business or something because the mind of people that when they buy a license like Microsoft, they think that they are secure. Yes, instead of open source, they are afraid about. Some of our customers might be reluctant about using open source because they feel that indeed first it's free, so it does not worth anything. That's another topic. But yeah. At first they say, okay, how can I be sure that I can continue to deliver my business and to be completely aligned with my business if I'm not sure about my assets? And since you got, and once again, I like to talk about the Affaire OGPL, but it's really a mess. This one under do what the fuck you want license, mm-hmm. which is also a mess. Yeah. But these two licenses, and the Affaire OGPL at first, is really, really tricky because you got impacts on the whole information system. And for some customers that, you know, not that big, and they are really investing money, real money into the services they are providing. If they are not really sure about what they are shipping, they might run into real trouble. And I believe that now within Atos we've got something called the Software Service Center, which is a shared service center of software delivery processes. It's based on open source and proprietary technology, and we are providing some services for scanning the software that is delivered to our customers. But most of the time, unfortunately, this scan is only enforced for the customers that are requiring formally the list of components.
if they're not requiring the list of components, then we trust our developers. And when they say, okay, I'm just using Hibernate on this really shady XML parser, somehow no one cares. Okay. You know, I think that's true. But as I say, we have done this now for 10 years. In the last 2 years, we're starting to see change because of this vulnerability question. So before, people go, we take the risk, license, okay, maybe not so much. But now people are going, they bring a security guy in the room. The security guy goes, no, we don't take these risks. We can't afford it. So I think the business case for understanding the list of items is changing a little bit, becoming a little bit more urgent because of the security question. Yeah. So there is a question regarding the security, the intellectual property. Public, there are so many of them, yeah. And everybody is starting to question, okay, am I really secure? You know, what you're saying about the Faro GPL, which is really a mess, it's not, it's just like the GPL, but instead of it being for a package product, it's for cloud-delivered product. Yes, yes. But if you remember a few years ago, there is still a company, but it went through a few iterations of acquisitions. But Linksys used to ship a router called the WRT54G, yes. They used to ship the 54G, okay. And then somebody figured out that because it was running Linux inside, they said, no, but it's an appliance, meaning it's an embedded complete project in itself, which means the GPL touches everything and contaminates everything. Which means we want the source code not only of the Linux, but everything else, including the drivers of the Wi-Fi chipset, which were not open source at all. Yes. So what you say to the about the Affero applies to the GPL if you're shipping an embedded product. Yes. It's the same. It's exactly the same thing. And by the way, had Linksys, I don't know if they didn't audit their code, or didn't realize, or thought nobody would figure it out. It's probably that, but once they decided to publish the source code, it put them into real trouble. It made them the most popular Wi-Fi router on the planet because everybody hacked them, right. Me first, and still have a few of them just for that. But what happens is that in France, for example, they got in trouble with the ART, the Autorité de Régulation des Télécoms, which went and told them, oh, by the way, you're shipping devices that are so easy to modify to go beyond the regulatory specifications of Wi-Fi that you can't sell them in France anymore. So that's when they had to actually stop selling the WRT54G and move to the next releases, which were running VxWorks or something like that, which was the microkernel proprietary. The result was it made for a cheaper router, because less RAM, less flash, etc., but an unhackable one. So they got out of trouble with the ART, but all of a sudden, all of the hacker community, but more importantly, the OEMs like Fawn and everybody who were using the 54Gs and then putting their own firmware, got back to them and said, wait, we wanted the ones that we could hack. Yes. And so they had to make the GL, which they positioned at a higher price, so they could tell the ARTC, the normal people, don't buy this one because it's expensive, they buy the one that they can't hack, so we're okay. But you know, your story is a very good one. They had to change everything. Because, you know, Cisco owns Nexus. No, not anymore, Belkin. Well, they spun it up, but they did for a while. Yeah. They never admitted that well. It was such a mess. It was a very messy situation. And I can just say, Cisco is now very, very, very careful about their acquisitions. Yeah. And we work very closely with them on that. And they will never have that problem again. No, because the problem Cisco had is so not the source code, because that happened way before the acquisition. The problem they had is an image. Everybody hit back at them for having acquired this company that they never could position, because all of a sudden they became a company that sold hacker routers and end user products right. alongside with very high end professionals. So what were they in? That's right. So they learned a big lesson yeah. in that process. Mm-hmm. And so we work carefully with them now. Yeah. And notice how careful Belkin has been with Linksys. They are not labeled Linksys by Belkin or Linksys Belkin or Belkin something. They're Linksys. Yeah. Nobody knows they're Belkin. That's exactly right. Yes, does it mean that the Linksys firewall or router has
unprotected people. As what? As unprotected, the people that use it. If they use only the Linksys firmware on the Linksys. Not if it's up to date. No, it's up to date. The people are protected. If they do, but you said is hack the system. Yes, it's make it unprotected. Why? If you don't, if they do unprotected things, it's like when you would say, if I put Linux on my PC, I'm unprotected. Same thing. No, if you had some code or some functionality, yeah, over the Linux. Oh no, but what people do is they replace the Linksys operating system by a completely new distribution like OpenWRT or DDWRT. Yes, yeah. But it's not, sometimes it's not so secure, so... It's exactly like replacing Windows with Linux. It's not secure if you get your Linux from somebody that you can't trust, yes. Or if you do it by yourself and you're not competent. Yes. That's what happens with, if you're putting an OpenWRT on the Linksys router, it's very secure. OpenWRT is a really good project. They're looking at the source code, they're up to date, they have the Linux builds of everything. It's very secure. It's actually more secure than keeping your WRT54G with an old firmware, because now Linksys isn't updating these devices anymore. Yes, and then why to close this, why Cisco want to close this and to make it unchangeable? That's what you say. Because the fact that people could modify the transmission power of the Wi-Fi chipset put them in trouble with regulatory authorities in countries like France. 42 milliwatts, 200 milliwatts. You could start to heat up your coffee, you know, yeah. 29 meters distance. So that's right. It was a bit messy. Okay, thanks a lot. Yeah, thank you. We keep if you'd like to talk a bit about a bit more afterwards about you know, licensing issues, we will take some time at the end. Moving on, we've got a panel also including Gilles Lehmann. I don't know if he's here, not already. Okay, Pascal Flamand, who's from Genoa. No. Okay, and Gilles Gravier, who's just there. Okay. That's a segue into the new panel. Hello. Here you are. I will have to. Pascal. Okay. I'll walk out. Thank you. Je fais du PDF. Oui, mais ça va pas marcher avec la partition. Ouais. D'accord. Bon, alors dans ce cas-là, je vais mettre sur ma clé. Sur ma clé. Ok. Pascal. Excellent. Pardon. On attend Gilles qui n'est pas arrivé. Je l'ai vu, si, il est là. Il est rentré. Il est sorti. Oui, on a un ensemble dehors, en fait. D'accord. Vous n'avez pas essayé d'arranger. Ouais, on ne peut pas l'enlever. Ok. C'est vrai que c'était très bien, les 50 TPL. Mais moi j'en ai encore aussi. Et j'en ai un qui me sert à faire Hotspot Nintendo Zone parce que je fais des soirées Nintendo dans mon village en Haute-Savoie. Donc j'ai un WRT54G. C'est un G, c'est pas un L. Ouais, c'est un G. Le jeu d'avant. Ouais. Et avec un firmware custom qui s'appelle Tomato. Et puis, ouais, Tomato, c'est justement ce que j'ai aussi. Moi j'ai mis Tomato partout. C'est super bien. C'est génial. Et puis l'interface est plus propre que OpenWRT. C'est tout. On met le firmware et puis on fait tout. Et du coup, j'ai configuré la MAC adresse et le SSID. Non, ça je le fais pas parce que en fait,
fait, comme on est dans un restaurant qui est quand même Wi-Fi, je ne veux pas que tout le monde puisse le hacker depuis le reste de la ville. Donc, à la limite, je le limite pour que ça couvre juste l'intérieur du restaurant. Mais par contre, tous les gamins qui arrivent avec leur console 3DS, tant qu'elles se connectent automatiquement, parce que quand on fait un réseau qui s'appelle Limited, enfin, qui a le bon SSID, les consoles n'ont pas besoin d'être configurées, ça c'est Nintendo qui fait les choses bien. Et puis, par contre, en vacant la MAC adresse, elle croit qu'elle est vraiment dans un hotspot de Nintendo qui en gros n'a pas des comme ça en France, il y en a en Allemagne. Du coup, elle a le droit du contenu téléchargeable spécifique, des trucs comme ça. Donc les gamins, ils sont super contents. Et voilà. Et du coup, maintenant, j'ai un petit routeur portable. C'est un D-Link DL330. Celui qui sert au Pirate Box. Donc le même, en fait, sauf que là, c'est basé donc là-dessus. Par contre, j'ai mis Gargoyle, qui est basé sur OpenWRT. Et sur Gargoyle, je peux aussi changer la MAC adresse. Et donc maintenant, j'ai mon hotspot Nintendo Zone portable alimenté par batterie. Et puis, comme il fait son Wi-Fi, puis il peut se connecter à un autre Wi-Fi, j'ai un Huawei avec ma carte 3G de chez SFR. Et donc, je démarre le Huawei, l'autre routeur se connecte dessus, fait du Nintendo Zone, et on peut faire maintenant ça sur la plage. Merci en tout cas d'être venu. Et puis. Il répond à mes problèmes. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de se. Au revoir. On a deux présentations, on va éviter de se prendre les slides dans la tête. Et on commence à échanger un peu. Donc l'objectif de cette petite table ronde, c'est de se poser la question concernant les risques. Les bonnes pratiques, ce qu'on constate chacun chez nous, dans nos environnements, dans nos sociétés, etc. On se met là. Oui, voilà, c'est mieux pour vous qui pour intervenir. Comme on a la chance d'être assez peu nombreux, je pense que si vous voulez intervenir et échanger, c'est aussi l'objectif de pouvoir le faire de manière assez interactive. Merci. Ok, donc ça, je mettrai ça juste après. Donc, quelles sont les erreurs à éviter, quelles sont les bonnes pratiques pour réduire les risques. Alors je vais vous laisser déjà vous présenter, chacun d'entre vous, qui veut commencer. Donc Gilles Lehmann, je suis architecte de sécurité dans une grosse société d'intégration CS, et aujourd'hui je suis particulièrement responsable de deux produits qui font la supervision de sécurité et la supervision de performance, dont le cœur est Pascal Flamand, je suis le fondateur d'une toute petite société qui s'appelle Genoa, dont le métier est la gestion des identités, uniquement sur Stack Overflow. Et c'est l'expertise de mise en œuvre de projets d'AWS, de SSC, de provisioning, de PKI, qui vont sur une durée relativement longue. Éventuellement, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Parce que comme on enregistre, je crois que ce soit. Désolé, je suis. Soit compliqué. Oui, si, bien sûr, la 16. Voilà. Hop, ce sera mieux. Gilles. Donc, moi, je suis Gilles Gravier, donc encore un Gilles. Et je suis depuis le mois de mars dans une énorme boîte de conseil en informatique, je travaille chez Wipro. C'est énorme, on est 160 000 sur la planète. Et on a monté une petite practice open source de 10 000 employés spécialisés dans différents produits. Donc, on a des architectes et des spécialistes produits et solutions. Et moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je fais du conseil en stratégie open source. Donc, on a un petit groupe d'advisory qui,
corporate avec l'utilisation de l'open source, plutôt l'utilisation de l'open source avec des objectifs corporate qui peuvent être ressources humaines, financières, communication, marketing, etc. Donc vraiment une vision qui n'est pas du tout technologique, mais plutôt pratique, bonne pratique et stratégique. Voilà. Et avant ça, ça a un sérieux impact. Avant ça, j'étais chez Sun et je faisais de l'open source et de la sécurité chez Sun pendant 17 ans, jusqu'à ce qu'on se fasse acheter par les marques. Donc, c'est le bip. Voilà, ouais. Donc, donc pour résumer, moi je suis Philippe Armoranger, moi je travaille dans l'entité open source d'Atos, qui est plus petite que celle de GoPro. On assiste nos clients à l'intégration de technologies open source aussi. Alors voilà, on a 2-3 slides avec des questions sur les sujets de débat hein, plutôt pour ouvrir. Le premier point, c'est vraiment lié aux failles de sécurité qui aujourd'hui, vis-à-vis de la sécurité des systèmes d'information. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez un avis sur la mise en place de solutions proactives ou de systèmes d'identification un peu en avance de phase qui soient capables de détecter les problèmes qu'on peut rencontrer dans les systèmes d'information liés aux failles, aux vulnérabilités, ce genre de choses. Je ne sais pas si tu as un avis déjà. Alors, moi, je peux parler de deux modèles complètement différents. Le premier, qui est de dire, quand on développe du code, on commence par le mettre en open source. C'est peut-être le meilleur moyen déjà d'aider. J'ai un exemple que j'ai vécu quand j'étais chez Sun. Quand on a décidé de mettre Solaris en open source, on a créé un truc qui s'appelait Open Solaris, et on a publié le code source, c'était un mardi, donc en début de semaine. Et 2-3 jours après, on a quelqu'un qui nous contacte en disant « Dites les gars, je viens de regarder le code source, là, mais vous avez un bug, mais c'est monstrueux. Dans TelnetD, dans LoginD, vous tapez ça comme chaîne de caractère, vous êtes root. » Ah. Voilà, donc ça avait été découvert moins de 24 heures, moins de 48 heures après la publication du code. Le gars nous a envoyé, la personne nous a envoyé le descriptif, une ébauche de patch. On a vérifié, on a testé. Le samedi, c'était en temporary patch chez nos clients. Le dimanche, il y avait un patch officiel qui était sorti. Jamais dans l'industrie, quelqu'un était allé aussi vite pour découvrir et corriger un bug. Et ça, uniquement parce que le produit a été mis en open source. On n'avait pas changé le code source. La vulnérabilité, elle était là depuis probablement des années. Hein. Mais le moment où on l'a mis en open source, on a des gens qui sont allés regarder et qui ont dit « là !» Donc ça, c'est quelque chose que je veux dire qui est extrêmement important. Quand les gens nous font la remarque que le fait que le problème soit, qu'un produit soit open source, c'est, on a encore des gens qui considèrent ça comme un risque, parce que les méchants, ils trouvent les bugs. Oui, mais au moins, on a une vraie chance que les gentils trouvent les bugs aussi, à la même vitesse, et aident à les corriger. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qui s'est passé aussi avec OpenSSL et Heartbleed. Hein. Heureusement que c'est open source et que ce n'était pas un truc qui était propriétaire, que ça serait un truc propriétaire, on ne saurait probablement toujours pas qu'il y a le bug, sauf quelques hackers quelque part en Russie et en Chine. Donc ça, c'est un élément important, c'est l'utilisation d'open source aide énormément dans cet aspect-là. Et après, là, je fais un pas en avant sur les pratiques qu'on a chez Wipro. Nous, quand on a des solutions open source, d'abord, on a des systèmes d'audit de code, un peu comme ce qui était présenté avant, c'est pas le même, mais bon, tous les produits différents, il n'y a pas qu'un. Et puis on suggère à nos clients d'utiliser les packages open source qui viennent des repositories qui sont chez nous, que nous, on audite régulièrement, qu'on met à jour. Alors, le bon côté, c'est qu'effectivement, on les audite, on les met à jour, et du coup, on a une notion de responsabilité, de liability quand il y a un problème. L'inconvénient, c'est qu'on les audite, on les met à jour, ça prend du temps, c'est pas toujours les derniers qui sont présents. Et il y a des gens qui ont clairement une préférence de dire, nous, dès qu'il y a un update qui sort sur le projet upstream, quand on a du produit open source pur et dur, on le met. C'est une autre assez bonne démarche, sachant que dans les deux cas, on a ou des bugs qui n'ont pas encore été trouvés, ou des bugs qui n'ont pas été encore corrigés. Je ne suis pas sûr d'être capable d'évaluer quelle est la meilleure solution d'un point de vue de gestion du risque, mais c'est deux modèles qui existent. Ouais. En tout cas, d'un point de vue organisationnel et gestion du système d'information, ces deux modèles-là valent mieux que le troisième modèle, qui est malheureusement celui qui est très souvent choisi, qui est surtout je ne touche à rien. Ça touche, ça marche. Je suis à la prod, et surtout il faut pas toucher à ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, je pense que les nouvelles dynamiques d'organisation de système d'information vont un peu à l'encontre de ça, hein, parce qu'on a on a parlé pas mal tout à l'heure, mais le DevOps, les démarches cloud, etc., ça permet d'accélérer un petit peu ces facteurs-là, plutôt que d'avoir des gens qui vont dire ça marche sur MySQL 4.97,
j'ai aucun moyen de savoir si la compatibilité ascendante de mon code legacy à 5 ans ou 10 ans va être assurée. Et donc, surtout, je n'y touche pas et je m'expose à des milliards de vulnérabilités. Donc, c'est vrai, ces deux approches sont absolument nécessaires. Concernant. Juste une question par rapport au marché du zero day, justement. Du hacking zero day, c'est-à-dire des failles qui sont revendues. Voilà. Est-ce que le fait de passer justement par open source, est-ce que ça va garder la proportion qui actuellement, il y a beaucoup plus de 0D sous le manteau par rapport à Windows parce que le marché est plus important, alors que du côté de Linux, c'est moins utilisé, donc il y a moins de 0D vraiment déclarés ou revendus. Est-ce que le fait de passer par l'open source, ça va maintenir ce ratio, ou est-ce que le fait que si jamais il y avait une augmentation de l'utilisation de Linux dans les entreprises, les failles 0D seraient aussi élevées que dans du propriétaire. Ah, en fait, d'abord, il y a une question de comment on définit un 0D. À l'origine, ce qu'on disait un 0D, c'était quand une vulnérabilité était annoncée et que le jour même, il y avait des exploits. On parlait de 0D exploit, pas de failles 0D. Parce qu'une faille, elle est toujours 0D le jour où elle a été découverte. Ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où on annonce une faille, quand il y a un exploit qui sort le même jour, c'est là où on a un problème. Donc c'est ça le 0D qui est gênant. Et c'est vrai que si le code source est disponible, on favorise la capacité qu'ont les méchants à développer un exploit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du code propriétaire, le code source, il est disponible. Moi, les sources de VMS, quand j'étais étudiant à l'ENSTAR il y a des années, je l'avais. J'avais une batterie de TK50 avec les codes sources de VMS, pas d'Open VMS, de VMS, le truc ultra propriétaire de DEC. Donc, j'étais gentil, donc voilà. Mais les méchants, ils ont accès à ça. Ça veut dire qu'eux, ils vont trouver des failles, ils ne vont pas les publier, ils vont les exploiter. Donc, ils vont construire des moins 125D exploits qu'ils vont exploiter. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que comme personne de légitime à la possibilité de regarder ça, comme le fabricant, lui, il est comme ça, ou mieux, il est comme ça, parce qu'il dit, tant que personne sait qu'il y a une faille, je fais rien, on ne sait jamais ce que ça va casser l'autre quand je vais la réparer, hein, ça c'est le grand classique, hein. Les failles sont découvertes et les vendeurs disent, non, on ne corrige pas tout de suite, jusqu'à ce que ça leur pète à la tronche au niveau marketing, et là, ils sont obligés de le faire, mais dans le monde du propriétaire, c'est le risque, c'est que les méchants, ils ont accès au code source, ils l'ont volé, ils ont mis un fusil sur la tempe d'un développeur, ils ont backchiché, peu importe, ils ont le code et ils vont développer leurs propres exploits. Dans le monde de l'open source, on n'a pas du tout cette dynamique-là, on a une dynamique complètement différente, c'est que tout le monde a le code. Et du coup, les gentils aussi. Alors effectivement, quand un gentil dit j'ai trouvé une faille, il a deux façons de le faire. La première, c'est je vais me faire mousser, je la publie partout en disant j'ai trouvé une super faille. D'ailleurs, voilà l'exploit. Encore plus intéressant. L'autre, c'est de dire, les gars, regardez ça. Et si le vendeur réagit pas, dans mon open source, ça sert à rien. Si le vendeur réagit pas, à ce moment-là, il passe en public. Mais au moins, on a une chance raisonnablement égale d'être averti au même moment que les méchants. Donc je pense que l'open source ne peut faire que améliorer les choses. Même si on a peur en se disant, tout le monde le voit, au secours. Ouais, mais les gens qui vont aider aussi. Pardon, mais qu'est-ce qui vous fait croire que les gentils seront plus rapides que les méchants, quoi? C'est pas évident, quoi. Et où est-ce qu'on met la NSA, là, au milieu, quoi? C'est ça la question, quoi. Non, mais on est d'accord que c'est pas évident, et les gentils, ils font ça par intérêt personnel, par envie de coopérer, de collaborer, et les méchants, ils font ça parce qu'on leur a payé quelques millions de dollars pour le faire. Donc, il y a des motivations différentes. L'exemple d'Open Solaris, pour moi, il est flagrant. C'est-à-dire que les gens ont vu le code, ils se sont dit « Ah, super, on va avoir l'occasion, pas de chercher des bugs, hein, on va avoir l'occasion d'apprendre. » C'est la première fois que moi j'ai eu les mains sur le code de Linux. Je me suis dit « C'est génial, je vais aller lire tout ça pour voir ce que… » Je n'ai pas lu tout ça, hein, je vous dis tout de suite. J'ai commencé, après j'ai arrêté. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre sur la façon de coder. Donc je l'ai lu pour m'instruire. Et là, forcément, il y a quelqu'un qui dit « Là, il n'y a pas de array bound checking. » Enfin, bref. Et c'est ça qui est important. Moi, je peux essayer de répondre aussi à ça. Globalement, quand on prend un produit propriétaire quel qu'il soit, si on regarde le nombre de développeurs, la taille des équipes de développement, vous seriez étonné de voir qu'elles sont toutes petites. Des produits très connus propriétaires, sur un produit, vous avez 10, 15, 20 développeurs maximum au niveau mondial.
quand vous avez en face plusieurs millions de personnes, je n'ai pas dit que plusieurs millions de personnes lisaient le code ou avaient les capacités de lire le code, vous avez beaucoup plus de chances et beaucoup plus de monde sur le sujet. Et puis, globalement, la meilleure sécurité, je pense, c'est la transparence. Et la transparence, c'est l'ouverture du code. Oui, parce que la transparence par... justement, et la transparence par l'obscurité, aujourd'hui, ça n'a jamais fonctionné. Ça a toujours été cassé d'une manière ou d'une autre, pas avec le progrès scientifique, etc., etc. Aujourd'hui, tout le monde peut faire du Coca-Cola. C'est pas parce qu'ils ont dit Coca-Cola, on ne va pas breveter la recette du Coca-Cola, parce qu'on ne veut pas que ce soit, publié au bout d'un an, voilà, au bout de 100 ans, on ne veut pas que ça rentre dans le domaine public, donc on ne va pas le breveter, donc on va le mettre sous secret, on va le verrouiller. Un jour, il y a un scientifique qui a dit, ok, c'est très bien, mais moi je vais inventer un système qui s'appelle un spectrogramme de masse en phase gazeuse. Il a fait passer, il a pulvérisé du Coca-Cola, il a regardé ce qu'il y avait dedans, et il a dit, ok, donc il y a 25% de bazène, etc., etc. En passant ça à la machine, il sait exactement quelle est la composition au pourcentage. Donc n'importe qui peut faire du Coca-Cola. Le seul truc, c'est que la sécurité par l'obscurité finira toujours par être cassée d'une manière ou d'une autre. La sécurité par la transparence, c'est la démarche inverse, c'est-à-dire aujourd'hui, on présuppose qu'il y a plus de gentils que de méchants, l'évolution tente à montrer que c'est le cas. Et on va arriver à, en mutualisant les efforts de chaque personne, même si c'est une heure de chaque personne qui va travailler dessus, quand on est des millions, bah, très rapidement, ça va plus vite. Une question rapide, est-ce que Libre SSL est basé sur les codes sources de SSL Libre SSL qui est basé sur OpenSSL. Voilà, est-ce que du coup on a récupéré le code source de là pour aller fabriquer quelque chose dans le code qui est plus. pour savoir si cette logique que vous mettez en avant de l'ouverture du code source, effectivement. Mais bon, oui, mais s'ils ont récupéré le code source, est-ce qu'ils l'ont pris avant la 1.0.1 ou après la 1.0.1F? Oui, bah, donc ça il faut les lire dans le projet, j'ai pas regardé. Voilà, est-ce qu'ils l'ont forqué et mais par contre. Voilà, est-ce qu'il y a eu une alimentation de B par A Un élément qui est super intéressant, par contre, à ce sujet-là, c'est que LibreSSL, c'est open source. On peut donc aller vérifier. Moi, je ne me suis jamais posé la question, je ne peux pas aller voir. Mais contrairement à un produit commercial où le code source n'est pas nécessairement publié, il dirait juste on a corrigé les patchs, bah, on n'a aucun moyen de savoir, on a corrigé les bugs. Alors que là, on peut aller vous regarder le code de LibreSSL, faire un diff dans les routines correspondantes. C'est très facile à vérifier. Il suffit d'avoir envie de le faire. D'accord, mais dans le même temps, ce qui va en brèche quand même la démonstration, bon, je suis avec la Linux, c'est de toute façon une centaine d'années, je vois l'évolution dans les mentalités, surtout dans les entreprises, c'est que quand même OpenSSL, on découvre Arduino au bout de quoi, 10 ans, 15 ans. Non, 2 ans. Bah, OpenSSL n'est pas... Non, mais là, moi, je voudrais me faire l'avocat du diable aussi, parce que quand tout le monde est d'accord, c'est effectivement ça. C'est qu'il faut pas. Enfin, tu as raison, tous ces principes sont vrais, mais ça dépend sur quel logiciel, puisque tu mets n'importe quoi. Il n'y a pas 2 millions de gens qui vont OpenSSL. Non. Non, mais le problème, c'est que tout n'est pas aussi simple. C'est mettre dehors, parce que des fois, les gens ils pensent, si on va mettre dehors, tout le monde va venir vérifier mon code. Bien sûr que non, hein, y a quelques trucs qui passent. Et effectivement, il y a des failles qui sont restées pendant 2 ans. Et donc, ils vont complètement à l'encontre de ce qu'on... Bon, je suis plutôt pour la transparence. Il y a des failles qui sont restées pendant des décennies dans le code de Unix. Unix, hein, oui. Donc le truc des années 60. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un cheval de Troie, une porte... une porte dérobée, qui fait que l'un des auteurs d'Unix avait toujours son login dessus. Et la backdoor, elle n'était pas dans le code d'Unix, elle était dans le code du compilateur C, qui avait du code qui détectait s'il compilait le login D d'Unix, et quand il se rendait compte qu'il compilait le login D, c'est là qu'il a inséré la backdoor. Donc c'était compliqué à aller voir quand même, il fallait analyser le compilateur C, se rendre compte qu'il était en train de regarder ce qu'il compilait et qu'il insérait du code. Et ça, ça a quand même fini par être découvert, même si c'est été dédessiné après. Inversement, quand je fais mon service militaire à DPSD, donc là c'est un organisme assez sensible en France, hein. À l'époque, on avait un outil de déroulement de la méthode Meurice qui s'appelait le système Delph, qui était développé par un Anglais. Et un jour, j'arrive dans le bureau et puis je vois cet Anglais qui était donc là en train de faire de la maintenance. Et il y avait un bel écran en belle couleur mauve-rose sur lequel il se connecte. Il login et je le vois, il tape SDRFH, return, bam, connecté.
Et je lui dis, il y a un problème là. Il est où le mot de passe? Il dit, non, il n'y a pas de mot de passe. Moi, quand je fais de l'administration, je n'ai pas le temps. Donc, j'ai mis en hard-codé dans l'application SD, système DELF, RFH, mes initiales. Donc, je tape SD, RFH, enfin, ça m'a resté. Et comme ça, je n'ai aucun problème pour faire la maintenance chez tous mes clients. Oui, mais là, c'est les services secrets français quand même. Ouais, il n'y a pas de problème, ils font confiance. Ouais. Bon, et ça, c'est comme si c'était une appli propriétaire, on n'a jamais pu le vérifier. Heureusement, je suis passé un jour et puis je l'ai vu en train de taper son login. Mais. Il a changé une lettre. Donc c'est, oui, il faut avoir cette envie d'aller regarder, il faut regarder au bon endroit, et puis il n'y a pas de garantie que ça sera découvert tout de suite, mais au moins on a une chance, alors que dans du propriétaire... Non, mais je suis d'accord, mais on a souvent utilisé ça, et moi le premier, ça fait longtemps que je suis là-dedans, et c'est plus sécurisé, et je pense que, aussi ce que je disais, quand on a un peu échangé, les choses ont évolué, parce qu'aujourd'hui, il y a des types effectivement qui sont organisés en face. Avant, on disait oui, bon, entre ceux qui sont payés dans une entreprise, c'est boulot, dodo, machin, et ceux qui sont passionnés. Maintenant, tu as des types qui sont vraiment payés en face, qui ont des moyens énormes par rapport à la communauté et qui peuvent s'organiser pour rechercher des failles dans tel ou tel logiciel parce qu'ils ont décidé que celui-là, comme il est déployé dans beaucoup d'entreprises sensibles, il faut mettre l'effort pour trouver quelque chose. Et de l'autre côté, dans la communauté, ce n'est pas forcément ces logiciels-là qu'on est en train de surveiller, parce qu'on va regarder, vous connaissez celles les plus connues, mais le truc qui fait un ERP dans un coin et qui pourtant contient plein d'argent, plein de données, ça ne passionne pas les ERP, hein, ouais. Par exemple, ça ne passionne jamais la communauté open source. Parce que juste, il y a un bémol, je pense qu'il y a des domaines où c'est super vrai. Il y a d'autres domaines où malheureusement ça ne suffit pas. Parce que comme ce n'est pas passionnant, ça intéresse personne. Il faut quelqu'un qui a envie d'y regarder. Oui, mais tu voyez ce que je veux dire. Quand je dis l'ERP, ça n'a jamais passionné. Et ça ne passionnera jamais. Quoi, hein. C'est pas un truc. Donc c'est intéressant, mais je pense que ça dépend des catégories. Il ne faut pas non plus croire que c'est magique. Oh, bon, comme j'ai de l'open source, voilà, c'est pas ce que. On n'a pas dit, hein, mais. On est bien d'accord, on n'a pas dit ça. On a dit ça équilibre. Voilà. On n'a pas dit c'est une panacée et ça résout tous les problèmes. Pas d'angélisme. Voilà. Peut-être justement pour continuer un peu sur les questions qui étaient posées, sur la question de l'authentification, identification, auditabilité. Donc autant dans le SI, mais peut-être aussi côté des communautés open source. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des bonnes pratiques ou des bons patterns d'organisation qui permettent de répondre à ces questions-là, autant de la part des entreprises qui sont utilisatrices de technologies open source que du point de vue des communautés, en disant ok, je reçois une proposition d'un mec qui s'appelle blackhacker@nsa.gov. Est-ce que quels sont les indicateurs, quels sont les éléments qui me permettent de déterminer la véracité ou l'intérêt que peut avoir cette contribution-là? Donc de ces deux perspectives-là, est-ce qu'aujourd'hui, il y a dans le cadre de votre activité, au jour le jour, est-ce qu'il y a des éléments qui vous permettent de déterminer des bonnes pratiques ou des clés à mettre en œuvre pour se protéger contre ces genres de problèmes? Il y a beaucoup de questions en une. Oui. On ne va pas passer la journée là-dessus. Alors, en préambule, le métier que je fais avec la gestion des entités, c'est un métier avant tout. D'accord. Qu'il soit sur du soft propriétaire ou du soft open source, c'est le même métier et c'est les mêmes pratiques qu'on doit avoir, parce que c'est un métier. Après, philosophiquement, j'ai décidé de faire que de l'open source pour des raisons éthiques d'une part et de business model d'autre part. Parce que c'est un business model l'open source, il ne faut pas l'oublier avant toute chose. Il faut être concret et transparent. Après, les bonnes pratiques, c'est déjà se poser la question de la gestion des identités. Je suis effaré aujourd'hui, moi, quand j'arrive à cette entreprise, plus elles sont grosses, pire c'est. Ou si les actes puissent paraître, les PME, les grosses ETI sont bien plus à l'aise et bien plus avancées que les très grosses entreprises, en souvent un passé, voire un passif lourd. Donc les bonnes pratiques, c'est les bonnes pratiques de métier de gestion des identités. C'est d'ailleurs de se poser la question, est-ce que je fais de la gestion des identités ou pas? Et il y a peu de gens qui se les posent, il y a des gens qui ont mis des rustines. Comme c'est un métier un peu ingrat, où on est... C'est un métier qui ne se voit pas. Donc on ne peut pas prouver à son directeur financier qu'on a fait un beau truc, un beau site web, qu'on a des pixels partout. C'est la sécurité. Voilà, c'est la définition de la sécurité par essence, ça ne fait que coûter cher à faire. Voilà. Donc c'est quelque chose qui ne se voit pas au départ. C'est quelque chose qui est long, qui est laborieux. Et puis on est entre le réseau, le système, les applis, le fonctionnel. Parce que ça ne coûte pas, justement.
aussi un discours à avoir où on soustrait quand même des dépenses, on peut en tout cas limiter considérablement. Je pense que Sony aujourd'hui Il y a quelques cyberassureurs aussi qui en sont persuadés. J'étais chez Sun, le gros problème c'était d'aller voir les clients et de les convaincre que la sécurité c'était quelque chose qui allait leur permettre de faire plus et donc d'augmenter leur revenu. Mmh. Donc en fait, ça dépend comment on positionne. Si on positionne comme une assurance, c'est un coût, c'est un centre de coût. Si on positionne comme un business enabler, c'est un vrai moyen de profit. C'est juste une question de positionner en disant pas juste on va contrôler les identités, mais plutôt, puisqu'on contrôle les identités, on peut avoir une workforce qui est distribuée, plus efficace, qui fera du business dans des conditions différentes, et on poursuit pour montrer la business value de la sécurité. C'est un autre débat. Ouais, la vraie question, donc, c'est la bonne pratique, c'est déjà de se poser la question sur les identités, ce qui est rarement le cas. Ce n'est pas le cas de toutes les sociétés, loin de là. Et la vraie question, on ne parle pas de gestion d'identité, mais quand je veux présenter ce que je fais, un directeur financier, donc quelqu'un qui est pas mal, qui ne sait pas ce que c'est. Et ce qu'on fait, c'est on vérifie qui a le droit de faire quoi dans mon système d'information. Et qui a le droit aujourd'hui d'aller dans ton système financier, qui a le droit de déclencher une paye, qui a le droit de déclencher un virement bancaire dans son système d'information. Et est-ce que tu as pensé et est-ce que tu as des process, des procédures pour vérifier ça? Est-ce que tu as des tableaux? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Et c'est rarement le cas. C'est rarement le cas parce que c'est quelque chose qui a été... En fait, c'est de la rustine sur 20-30 ans, parce que ce n'est pas du sujet. Il fallait mieux mettre en place le RP rapidement, il fallait avoir le site web rapidement, il fallait avoir... Mais bon, on s'en est préoccupé après. C'est-à-dire que c'est jamais quelque chose qui a été mis à la base. Et on fait souvent du patch, quoi. Enfin... Est-ce qu'il n'y a pas une question de perception du client, de ce directeur financier, du directeur PME, petite ou grande, que finalement, ces données, en dehors de sa propre exploitation, elles ne valent rien sachant que ce qui est aujourd'hui faux, il y a probablement de ça, mais je suis pas sûr que ce soit l'élément clé. La publicité aujourd'hui de ce qui est fait sur la sécu, on n'a pas le sentiment au directeur de PME que ces données comptables, que ces données métiers, même pour une entreprise moyenne, ont une valeur sur un marché noir de la data. Et est-ce qu'il y a plutôt dans la perception, là, encore une fois, du risque pour lui ou de la monétisation de ces données? Qui ne protège pas, elles sont ouvertes, quasiment absolument. Je pense que ça a eu été le cas, ça l'est de moins en moins. De plus en plus aujourd'hui, les entreprises, quelles qu'elles soient, comprennent que l'exploitation des données qu'elles font en interne, elles ont une valeur pour n'importe qui. Parce qu'une adresse mail, on sait que ça négocie 15 centimes de dollars. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont tendance à tomber dans l'excès inverse, c'est de se dire la sécurité, tout système que je ne maîtrise pas ou sur lequel je ne suis pas certain d'être 100% en compétence, est susceptible d'être vulnérable, donc je me précipite auprès du premier qui va me fournir un système qui lui garantit d'être sécurisé. Et donc on se retrouve à avoir des sociétés d'une taille quand même relativement importante, je pense à notamment une société française qui fait de la robotique, je ne le citerai pas, mais qui a l'intégralité de son système d'information chez un fournisseur de technologie américain, qui a deux O dans son nom. Quand on imagine des sociétés qui sont extrêmement innovantes, qui ont beaucoup de patrimoine comme ça, et qui utilisent 100% de leur système d'information dans un truc qui est délivré par une boîte qui est connue pour le fait de laisser des backdoors à n'importe quelle autre société ou agence américaine, en trois lettres, on se pose forcément la question de savoir quelle est la pérennité de ces sociétés-là, qui n'ont pas leur patrimoine, la gouvernance complète de leur système d'information et la maîtrise sur la gestion de leurs données dans le futur. Et aujourd'hui, à mon sens, l'usage de l'open source, c'est quelque chose, et c'est l'une des questions. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que la sécurité d'un système d'information ouvert, interopérable, et surtout qui reste la propriété de l'entreprise, est-ce que cette sécurité-là, elle est supérieure à un système qui embarque des composants éventuellement propriétaires, pas audités, ou même carrément dans le cloud, 100% dans le cloud? J'ai rebondi sur ce que tu viens de dire, pour revenir un petit peu en arrière. En fait, j'ai vu une vraie inflexion, parce que ça fait 15 ans que je suis sur ce métier de gestion des identités, enfin un peu plus d'ailleurs. L'inflexion est arrivée il y a 2-3 ans, quand les gens ont commencé à se servir de services SaaS, la boîte a ouvert un compte Box, Dropbox, parce qu'il lui fallait échanger les fichiers avec ses clients, ses partenaires, et qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils ne savaient pas le faire en interne. Les gens ne savent pas mettre en place un serveur FTP dans l'entreprise, il faut le savoir.
ou des fois les process ne leur permettent pas. Oui, ou ne leur permettent pas. Ouais. Et là, ils ont commencé à se poser les vraies questions, les bonnes questions, parce que ça sortait à l'extérieur. Sachant que c'est souvent mieux sécurisé à l'extérieur qu'à l'intérieur, hein, il faut le savoir. Voilà. Donc, C'est aussi près que lorsque tu externalises le service, tu te départis de ta donnée. On est d'accord. Se départir de la donnée pour une entreprise, c'est quand même quelque chose d'extrêmement. Ça dépend des sociétés. Quand on fait que du service et qu'on vend du jus de cerveau, ok. Mais quand on est une société innovante ou quand on a des assets qui sont uniques sur le marché, ça devient tout de suite beaucoup plus délicat. Mais faut se poser une question de quel est l'attaquant dont on essaie de se protéger. Quand on met des données sur Dropbox, c'est une boîte américaine, donc on sait que la NSA peut y avoir accès assez facilement. Il suffit qu'ils invoquent un problème de terrorisme. Et on sait que la NSA est au service. En France aussi aujourd'hui. Hein. Oui, non, mais, et on sait que la NSA est au service d'entreprises privées, hein, puisqu'elle espionne Airbus pour le compte de Boeing, par exemple. C'était le cas dans les années 80. Donc on sait ça. Mais par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'un Dropbox est relativement bien sécurisé. Ils ont une assez bonne sécurité contre des entreprises non américaines et des individus. Inversement, si on bricole soi-même son propre site FTP, et qu'on ne fait pas faire ça par des experts, il y a d'assez bonnes chances qu'on n'ait pas une version à jour de FTPD, qu'elle n'a pas été patchée, qu'on oublie de le faire après quand il y a une vulnérabilité qui est découverte, et qu'on se mette dans une situation presque encore plus risquée. Donc la question, c'est contre qui on essaie de se protéger. Voilà. Il y a un élément de la question qu'on n'a pas abordé, c'est comment une communauté open source qui développe des produits qui sont utilisés finalement par tout le monde, Apache par exemple, fait en sorte de s'assurer que les contributions de code sont bien légitimes. Et ça, c'est assez important parce qu'en général, ces communautés, elles n'ont pas franchement les moyens de faire du contrôle d'identité. Le code, il est rarement signé quand il est envoyé, etc., par les contributeurs. Pire, des fois, les contributeurs, c'est quelqu'un à l'autre bout de la planète qui a trouvé un bug et qui a dit, dites les gars, là, moi, je me souviens, j'ai contribué du code au projet PGP parce que j'avais besoin de le compiler sur mon MIPS RC3230 en 1993. Ça tournait pas dessus, donc j'ai fait le makefile, j'ai modifié le code de 2 ou 3 fichiers, j'ai envoyé au gars en disant dites si vous voulez mettre ça, mettez-le anonyme parce que j'étais en France et que c'était illégal à l'époque de faire de la crypto, et ils l'ont fait. Donc PGP363i a du code qui est venu d'un gars qui demandait en plus à être anonyme et qui a été inséré dans le projet. Donc comment ils font ces projets-là? C'est très simple, ils regardent pas vraiment l'identité. Ils peuvent, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui contribuent comme ça plein de fois d'affilée, que ça, à chaque fois c'est super bon, c'est une méritocratie. Petit à petit, les gens deviennent de confiance sans qu'il y ait de contrôle d'identité tout le temps. Un mail, ça se falsifie. Mais par contre, ce qui est super important, c'est que toujours, il y a un processus d'audit de code qui est soumis avant qu'il soit commité dans le projet. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai en entreprise privée comme dans un projet open source. Nous, chez Sun à l'époque, quand il y avait quelqu'un qui contribuait un bout de code, le premier truc qu'on faisait, c'est qu'on regardait en détail. Et à l'époque où ce n'était pas encore tout open source, dans les projets propriétaires, Solaris et compagnie, on faisait exactement la même chose. Donc les procédures qu'on avait mises en place pour auditer notre code interne, tout code qui est soumis par un des développeurs avant d'être intégré, va avoir une peer review des autres personnes de l'équipe. Quand on a commencé à faire de l'open source avec OpenOffice et qu'on a eu des contributions, c'est la même chose. Mais les audits n'empêchent pas les backdoors. Quoi. Non, alors, ça n'empêche pas. C'est bien le problème. Mais dans ce cas-là, rien n'empêche les backdoors. Juste une remarque, la communauté, plus on fait de l'audit, mieux c'est. Un problème, TrueCrypt, notamment, il y a quelques temps, a montré quand même les limites de l'identité même des personnes qui l'a. TrueCrypt, personne ne savait qui travaillait dessus. Même remarque avec Bitcoin, le jour. Et pourtant, TrueCrypt a été mis sur plein de systèmes, on ne savait même pas qui était derrière. Donc, au niveau du contrôle d'identité, ne serait-ce que de la communauté, par rapport à un Samba ou à un Apache ou autre, on voit déjà même pas qui fait quoi. Ou Système D, aujourd'hui, on voit que s'il y a des guerres, qui est qui. Là aussi, il y a quand même un certain nombre de limites qui sont posées dans le contrôle des identités, du coup, dans les points de notre domaine, sur la communauté elle-même, même pas des contributeurs occasionnels, mais le noyau dur de ceux qui fournissent cette solution-là. Il se trouve que maintenant on nous dit ah ok finalement TrueCrypt avait des failles mais c'était pas grave là, ok, mais il y a quand même eu mais qui sont les auditeurs un peu inquiétant qui sont les auditeurs. Les failles de TrueCrypt sont peut-être fausses, hein, parce que c'est un peu le problème, c'est que là aujourd'hui le doute a été la graine du doute a été plantée dans ce là et va suivre une organisation par contre qui est propriétaire et qui développe propriétaire a quand même des mécanismes de contrôle d'identité qui sont là pour le coup un peu plus fins que
comme par exemple Crypto AG, la super boîte suisse qui faisait des produits de sécurité des encrypteurs, et puis qu'un beau jour ils sont. Peut-être. Et un beau jour on s'est rendu compte que dans leurs encrypteurs, en fait, quand ils encryptaient, ils encryptaient avec deux clés, et qu'il y en a une qui appartenait à la NSA, et c'est les Libyens qui s'en sont rendus compte. Et comment ça s'est fait? Parce qu'un jour quelqu'un a été influencé, un des développeurs corps de l'entreprise. Donc, même dans le propriétaire, on ne peut pas s'en rendre compte. Hein. Bon, il faut savoir. Par contre, avec de l'open source, le cas de TrueCrypt. L'open source, beaucoup, donc. Oui. Ça sur le projet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-traitants, il y a beaucoup de contre-acteurs, il y a beaucoup de choses qui sont envoyées dans d'autres pays. Enfin, il y a même des gars qui font développer leur code en Inde, chez nous. Donc, je on est conscient du problème. Hein, ou chez Tata, ou chez Infosys, mais. Donc, le seul intérêt là, de l'open source, le vrai, très fort intérêt de l'open source, et on le voit dans TrueCrypt, c'est que même si on ne connaît rien des développeurs, on a quand même accès à open source. Voilà. Et les projets les plus intéressants dans ce domaine-là, c'est ceux qui disent, vous avez notre binaire, il est là, vous pouvez l'utiliser, vous avez le code source, si vous le compilez avec telle option, ça vous donnera le même binaire, et vous pouvez vérifier le hash, et à ce moment-là, déjà, on est sûr que le binaire est bon par rapport au code source, il n'y a plus qu'à auditer le code source. Et on peut le faire parce que c'est de l'open source. Alors qu'avec du propriétaire, on ne peut pas. C'est un débat, je pense, sans fin. Et malheureusement, la pendule tourne. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même, ça suscite le débat. Je pense que c'est un bon début d'accroche. Et ces idées-là, il faut qu'on puisse continuer à les partager. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse échanger ensuite nos adresses mail. Et je vais monter un réseau de discussion. Alors, il faut voir sous quelle forme. Hein. Peut-être pas sur Google Plus parce que Twitter en 140 caractères, ça va peut-être aussi être un peu compliqué. On peut plus mettre à jour, ça peut être on va essayer de trouver quelque chose éventuellement pour continuer à réfléchir sur ces éléments-là et peut-être pour se dire, ok, ça c'est l'état actuel, qu'est-ce qui nous manque pour aller demain vers quelque chose de plus sécurisé, plus propre, ou en tout cas, quels sont les éléments qu'on pourra partager pour améliorer la compréhension de ces risques-là chez nos clients qui sont à mon avis tout à fait en dehors de ces cycles de réflexion. On se rend encore à ça. Moi aussi. Sur le sujet, j'aurais aussi une opinion un peu disruptive, qui est de dire le risque existe, il ne faut pas l'évaluer, il faut le quantifier. Combien ça me coûte si? Oui. Ouais. Qu'est-ce que je perds? Combien ça me coûte? Et on voit des fois qu'on prend des trucs comme ça pour enfoncer des choses qui ne valent pas la peine. C'est-à-dire beaucoup d'argent et d'énergie pour des risques qui sont minimes. Bon, je me suis fait voler mes adresses e-mail. Les adresses e-mail de l'entreprise, de toute façon, elles sont publiques, tout le monde les connaît. Tout le monde connaît l'adresse e-mail de n'importe qui dans une entreprise. C'est pas secret, une adresse e-mail. C'est public. C'est public. Ce sera ma petite conclusion. C'est les deux fondamentaux, c'est quels sont les biens, quels sont les risques, et après, on voit ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait de la gestion d'identité, est-ce qu'on fait du machin, mais il faut commencer par pas écouter les éditeurs. Et quels sont les biens, quels sont les risques? Parce qu'effectivement, les adresses mail, bon, ok, mais. Établir une maîtrise de risque aujourd'hui pour se dire, ok, quels sont les risques auxquels on est confronté quand on est utilisateur de technologies open source, c'est quelque chose qui est assez facile à faire et qui, de mon point de vue, est un effort qui va servir. C'est au niveau de l'entreprise. Après, il y a les briques, chaque brique a une open source. Parce que là, il faut revenir un peu à des trucs. Vous parlez, vous parlez de l'open source, mais c'est le patrimoine numérique là, qui est évoqué. Oui, quoi. Et le problème, c'est que les données ont un cycle de vie. Donc, AT et AT plus N, elles n'ont plus la même valeur. Quoi. C'est le gros problème. Quoi. J'aime bien l'histoire de risque et de quantifier. Il y a super longtemps, quand on a commencé à amener les cartes à puce, la France a fait des cartes à puce, ça marchait bien, vachement bien. Hein. Quand on est allé voir les Américains, Visa, Master, et qu'on leur a dit, mais prenez des cartes à puce, vous allez voir, vous allez faire tomber votre risque financier de 2,5% de fraude à 0,05% de fraude, c'est génial. Et tous, ils nous répondaient, et alors, on le facture ce 2,5%, on s'en fout. C'est trop cher. Non, c'est pas très cher. On le facture, c'est pris en compte, le risque, on s'en fout. On a 2,5% de fraude, on récupère 2,5% sur tous les achats. Aujourd'hui commence. Oui, mais parce que maintenant, ils tirent sur les marges et des trucs comme ça, mais à l'époque, c'était ça, quoi. Donc, on mesure le risque, on l'évalue, on couvre...